Virginie Sully était danseuse pour le groupe NTM et elle était la compagne de Kool Shen à l'époque. Elle se faisait appeler Lady Five. Elle est malheureusement décédée le 3 septembre 2000 à seulement 29 ans dans un accident de voiture. En larmes au moment de l'enterrement, Kool Shen a été rejoint ce jour-là par Joey Starr qui l'a aidé, avec d'autres à transporter le cercueil vers la sortie de l'église. Une séquence forte alors que les deux stars ne se parlaient plus depuis de nombreux mois. Kool Shen était tombé amoureux de Virginie quand elle n'avait que 15 ans et très vite elle avait fait sa place. Il fallait que Virginie montre aux autres qu'elle n'était pas que la meuf de Kool Shen. Et elle a su s'imposer vite, avoir sa légitimité et devenir une vraie entité au sein du groupe, avait expliqué Joey Starr. Elle était très respectée pour son background et son histoire. Ça a été tellement douloureux quand elle est morte une fin si tragique.